Et salut tout le monde les amis, c'est PlayerGamer, bienvenue pour un nouvel épisode de Assassin's Creed Odyssey. J'espère que vous allez bien, nouvel épisode les amis. Donc alors, la caméra, j'ai pas allumé la lumière parce qu'il y avait un reflet. Donc voilà, je préférais ne pas allumer. Donc j'espère que ça vous dérange pas trop cette caméra là. On va tester pour voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, nouvel épisode les amis. Aujourd'hui on va faire dilemme de carrière. Il est possible qu'il y ait une ellipse voulue cette fois, hein, pas à cause de mon téléphone ou pas à cause de autre chose. Il est possible qu'il y ait une ellipse parce que celui-là déclin, réduit le moyen de paros, je ne sais pas ce qu'il faut faire, enfin il faut juste des piller des coffres et tout ça. J'en ai pillé un de coffre public, mais bizarrement ça n'a pas l'air de suffire. Parce que les amis, oui, la fois dernière, enfin pendant ce temps, j'ai terminé un temple qui se trouve ici, je ne sais plus où. Enfin il y avait un temple à Naxos, hein, rappelez-vous, un gros temple, et je l'ai fait. Et je l'ai terminé. Voilà, bah il était aise hein, encore une fois, mais voilà, c'est je l'ai fait. Très bonne chose, et donc du coup les amis, nous sommes partis pour la nouvelle mission, dilemme de carrière. Donc là il faut trouver un bateau si je comprends bien. Ouais, si je comprends bien, il faut trouver un navire, et il faut libérer Aeneas. Donc écoutez, nous sommes partis, let's go. Alors, j'ai pas envie que de me faire agresser en navire. Donc là c'est l'une des rares missions qu'on va faire en navire. Ce qui est chiant, hein, je le cache pas, le navire, je suis pas fan du tout du navire de Assassin's Creed Odyssey. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, on va essayer de se démarrer comme on peut. Ah tiens, c'est pas... Ah, c'est pas un navire. Ah, c'est pas un navire. Ah, bon, encore mieux, génial. D'accord, fallait juste naviguer. Oh, tout va bien, là. Ah, bah ouais. Ah, c'est ça, ce... Ah, d'accord, c'est un navire explosé. Ah, j'ai mal compris la mission, les amis. Moi, je croyais qu'il fallait affronter un navire et libérer Xeneas, justement. Mais non, en fait, c'est totalement différent. Ça a totalement rien à voir. D'accord. C'est juste qu'on va inspecter un navire explosé. Ok, bah très bien. Très très bien les amis. Alors, bon, on va explorer ce navire, hein. Ça va aller très vite de toute façon. Et on va voir ce qu'on va devoir faire. Mais je pense pas que Aeneas est ici, hein. Je doute. Je doute qu'elle est ici. Qu'il ou elle est ici d'ailleurs. Moi je pense. Ah, c'est un mec. Oui, c'est un mec. Yo, bah finalement il est là. Tu es le seul survivant. Ils ont fait des prisonniers. Mais ah non, c'est pas lui. Gravement blessé. Pour qu'on m'emmène à Paros. Qu'est-ce qui s'est passé? On venait discuter de paix avec Paros. Ils nous ont attaqués. Et Aeneas, ton capitaine? Ils l'ont pris. Je dois y aller. Je vais le ramener. Et venge-nous. Oh, le pauvre. Il est mort ou pas? Mais il a pas l'air blessé, donc pour moi, il est pas mort. Ah, donc finalement ça se transforme en un fort les amis. On va devoir faire un fort. Bon. Ok. Île de Paros, d'accord. Ah, c'est une île. Ok. C'est une nouvelle région. Bah oui, c'est vrai qu'on a changé de région, ça c'est sûr. Putain, Facochère. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là, sérieux? Bien, on va faire cette carrière justement. C'est une carrière de marbre fortifiée. D'accord. Bah c'est bien, c'est que on doit piller des coffres, donc peut-être qu'il y a des coffres liés à la mission justement. Donc on va voir tout ça, ne vous inquiétez pas. Carrière de marbre, la fameuse. La fameuse carrière de marbre. Alors, voyons voir, c'est parti. Notre point principal, oh putain il est tout en haut, bah évidemment. Voilà Aeneas, il est prisonnier tout en haut, d'accord. Ok, très très bien. Ok, c'est de level 24, je suis level 26 en plus, donc ça va aller. Aise. Bah aise j'ai envie de dire. Ok, la prison. Oh putain il est grand. Oh waouh, il y a beaucoup de gens. Ah, pour des level 24 ils sont beaucoup quand même hein. Mais bon, on va voir tout ça. On va voir tout ça les amis. Il n'y a pas de souci. Ah, je vois qu'il y a un coffre là-bas à récupérer. Un coffre mauve les amis, donc c'est bien. C'est en adéquation avec notre autre quête les amis, où je vais certainement vous faire une ellipse. Possible. Parce que, bon, s'il m'affiche rien, voilà, il va falloir que je fasse une ellipse pour voir ce que c'est le problème, en fait. Bien, alors. Ah, par contre, attention, je redonne mon droit heureuse. C'est vrai que je vais aller aider Aeneas, je sais pas comment on le dit. Aeneas. C'est vrai que c'est pas Aeneas, c'est Aeneas, je crois. Hein. Je crois que ça se dit comme ça. Enfin, je sais pas. J'en sais rien. Dites-le moi, les amis, hein. Y a pas de souci. Ok, donc sa prison est là. Lui, je peux le tuer sans problème. Hein, on est d'accord.
Ok, je peux les assassiner direct. En même temps, j'ai 2 niveaux de plus, donc c'est un peu normal, j'ai envie de dire. C'est juste justice. Ah non, on va pas le sauver, les amis. On va pas le sauver parce qu'on va faire ce temple quand même. On va faire ce temple. Donc on va le faire. On va le faire ensemble. Vous inquiétez pas, ça va pas être très très long. Ah putain, y a un mec qui me voit. Il est où? Ah merde, il est juste à côté. Bon, tant pis, j'en ai tué un. C'est pas grave. Ah tiens, j'aimerais bien que tu tombes. Ah bah au revoir. Bye bye. Yes, lui c'est fait. Ah super, on trouve le piège, les amis, c'est parfait. On va se faire le piège, comme ça on n'aura pas de problème. Déjà de 1, on n'aura pas les mercenaires au cul. Et en plus, on n'aura pas d'ennemis en plus à battre. Ah super. Ça, c'est à brûler ça. Hop, au revoir. Je les reconnais, les amis. Pas besoin de savoir, je les reconnais, les ravitaillements. Ils ont tous à peu près la même tronche. Donc on les reconnaît à force. Bah lui, il va mourir. Au revoir. Au revoir, mec. Du beau marbre blanc. Voilà, ça c'est fait. Faut-il y ajouter du rouge spartiate? Alors lui. Ah, je vais pas le tuer. Ah si, je le tue, nice. J'arrive à le tuer. Donc lui, c'était un, je sais pas quoi, un polémarque. Ah non, c'est un capitaine. Y a pas de polémarque, d'accord. Bon, j'aurais bien aimé avoir un polémarque, je vous le cache pas, parce que j'ai une mission avec ça et ça donne l'XP justement, les amis. Hein, il faut pas oublier que malheureusement, même si je suis level 26, il va falloir encore XP hein, pour finir le jeu, j'imagine. J'imagine que 26 c'est pas assez. Et donc du coup, j'aurais bien aimé qu'il y aurait eu un polémarque, ça aurait été cool. Mais bon. Merde. Non, j'aurais pu le tuer, putain. J'aurais pu one shot, putain. Merde. Bon, j'espère juste qu'il a pas alerté d'autres gars. Ah putain, il a alerté d'autres gars. Il a alerté d'autres mecs. Bon, vas-y, faudrait que tu passes. Viens ici. Hop, voilà, parfait. Tiens, dégage. Boum. Au revoir. Bye bye. Lui, c'est fait. Bon. J'essaye d'aller au plus vite, les amis, vous inquiétez pas. Alors, il y a encore un mec qui me suspecte. Il commence vraiment à m'emmerder celui-là. Je sais pas comment le prendre. Je sais pas comment le prendre. Ah putain, allez. Merde, il va me voir. Mince. Ah putain. Bon, ouais, je crois que pour la discrétion, c'est bientôt mort, les amis. Vas-y, viens ici, il va venir de toute façon. Vous inquiétez pas. Ah non, il vient pas. Oh mais merde, mais t'es chiant. Oh t'es relou. Allez. Allez, un gars qui monte là. Hein. Y'a un mec qui me voit. Pardon. Ils vont réellement pas monter. Y'a vraiment aucun des gars qui va monter. En mode normal. Ah. Quand même. Ah quand même. Ah il suffit qu'il y en a un qui rejoint et après c'est bon. Ah putain, quand même, incroyable. Wow, les PNJ les moins réactifs du paf quoi. Allez dégage, hop, toi t'es mort. Et viens aussi, toi aussi. Au revoir. Voilà. Non, il m'en reste plus qu'un. Qui va mourir également, vous inquiétez pas les amis. No Susai. Voilà, dégage. Bye bye. Putain, ils sont encore beaucoup. Hein. Ils sont encore énormément quand même. Hop. Merci. Merci. Ouais, j'en ai marre de me cacher. Putain, ça me balance des flèches là. Ça mange des flèches. Wow, 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 wow. Il y a tous les archers qui viennent. Truc de fou. Putain, wow, ils sont autant d'archers. C'est des malades. Oh putain, merde, ils sont tous là. Ah merde. Il y a même les gars les plus forts qui sont là.
prince. Putain, dégage. Toi, tu dégages aussi. Heureusement que je suis level 26, d'ailleurs. Ne faites pas ça si vous êtes level 20 ou... D'accord? Vous n'y arriverez pas, hein. Juste, je vous le dis. Sinon, ça va être... Ça va mal finir pour vous. Oh là là, putain, il y a un mercenaire. Putain, merde. Je voulais justement éviter le mercenaire, et voilà ce qui arrive. Yes. Putain! Les mercenaires, c'est chiant, ils ont trop de vie. Ils ont trop de vie. Regarde la vie qu'ils ont, quoi. Et en plus, il y en a un plein. Il y en a un plein et ça se termine jamais. Ça a pas de fin, un mercenaire, quoi. C'est un peu malade. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y en a un qui va activer le piège. Mais c'est pas grave. Normalement, si j'ai bien calculé mon coup, il va bien se faire tuer comme une merde. Ça va être très drôle, les amis. Putain, par contre, ils sont combien? Mais ils sont combien? J'en ai tué 10, là, au moins. C'est un truc de malade. Ah merde. C'est chiant, ça. Je sais pas à qui elle chien, si il est au mercenaire. Oh non, il y a deux. Il y en a deux. Mais arrête ton délire. Mais arrête ton délire. Voilà. Bon, il faut que je me casse, les amis. Il faut que je me casse. Il faut que je paye les meurtres parce que là. Oh là là, putain. Ça, c'est chiant. Vous voyez, ça, c'est le gros défaut d'Assassin's Creed Odyssey. C'est la barre des mercenaires, ça vient trop vite. Ça vient beaucoup trop vite. Genre, vous voyez, on a fait 10 kills, même pas. Moins de 10 kills. Et c'est abusé, il y en a trop. Elle monte trop vite, la barre. Je suis désolé. Mais elle monte vraiment trop vite. Genre, quand tu fais un fort, la barre, t'es obligé de payer deux fois la récompense. C'est un truc de malade. C'est abusé. Moi, je trouve franchement, c'est abusé. Et surtout, le pire, c'est les mercenaires qui n'ont pas de faim, les amis. Parce que normalement, hein, si je dis pas de conneries, les mercenaires, il y en a tout le temps. Il n'y a jamais une fin dans les mercenaires. Après, s'il y a une fin, franchement, ça serait cool. Mais je crois qu'il y en a qui a jamais de fin. Ah bah, il a été activé le truc. Il a été en effet activé. Regardez quoi, deux mercenaires, quoi, normal. Normal. Bah, évidemment. On a tué les capitaines, il ne reste que les coffres en fait. Il ne reste que les coffres. Il ne reste le plus facile en gros. Enfin, normalement. On va essayer de voir où sont les coffres, on va les récupérer petit à petit. Non, mais c'est abusé, franchement, là. C'est vraiment abusé. On va pas le sauver tout de suite, les amis. On va pas le sauver tout de suite. On va terminer le temple. On va le terminer. Enfin, le temple, n'importe quoi. C'est vrai que j'ai vraiment l'impression que ça ressemble à un temple, mais non. C'est pas ça. C'est pas vraiment ça. Bon, alors, il y a un coffre là, je l'avais pas vu. La première fois, je l'avais pas vu. Allez, je veux le coffre. Voilà. Il nous manque encore trois coffres, pardon. Trois coffres à récup. Et un ravitaillement. Putain, mercenaire de mes couilles, là, les deux, là. Il y a un gars qui est 27 en plus, il est au-dessus de moi. Super. Ouais, ça, c'est le pire. Ça, franchement, c'est... Le pire défaut de Odyssey, il est là, quoi. C'est vraiment les mercenaires. Les mercenaires, c'est une bonne idée, hein, mais il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Genre, franchement, 30 mercenaires, ça aurait largement suffi, hein, je pense. Ça aurait largement suffi. Hop, tac, ça dégage. Ok, très bien. Alors maintenant, il me reste un coffre là. Alors ça, on s'en fout. Ça, mais on s'en fou, mais d'une force incroyable. Il y a un coffre là, et il m'en manque un dernier qui est... Je ne sais pas où. Où est le dernier? Pardon? Le dernier? Non? Merde. Où est ce dernier coffre? Parce que celui-là, il compte pour un coffre. Hein. Le coffre violet, les amis, il compte pour un coffre. Mais je vois pas où est le dernier. Il était là, peut-être, non? Oula! Merde. Ah. Ouais, le v'là, il est là, ok. Nice. On a eu un peu de mal, mais on l'a trouvé, les amis. Bon, on va récupérer ces derniers coffres. Ah, il y a un mec qui me voit. Putain, sérieux, Alexios? Really? Really, Alexios? Vas-y, toi. Tiens, dégage. Voilà, bye. Au revoir. Voilà, un de moins. Ça, c'est fait.
Ah c'est bon, il y en a marre, il y en a beaucoup trop, hein. C'est abusé. Allez, le coffre on le prend. Bon, en même temps tu m'étonnes, le fort que c'est les amis. C'est obligé qu'il va avoir un coffre. Yes. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Moins 150 quand même, hein. C'est bien, hein. C'est très bon. C'est très bon, très fort. Alors par contre, ok, mercenaire qui se barre, c'est très bien. Ah merde. Dégage. Tiens. Voilà. Putain mais merde, mais fiche-moi la paix. Fous-moi la paix. Je veux récupérer ce dernier coffre plutôt. Mais dégage toi aussi. Casse-toi, archer de merde. Voilà. Tueur d'archer 50, cool. Nouvelle gravure, ok. Mais en même temps les archers, qu'est-ce que j'en tue? Yes! Voilà les amis, on a enfin terminé. Bon, je refais avec vous. Ça aura plus de 15 minutes quand même. Bon, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Mais voilà, mais de toute façon, ça fait partie du principal, donc voilà. Voilà, voilà, il est fait, donc on va pouvoir parler à Aeneas. Qui, je sais pas si c'est une fille ou un mec, on va voir tout ça. Hein. On va pouvoir lui parler, donc c'est une bonne chose. On a fait une très bonne chose les amis, on a gagné de l'XP et tout. Voilà, je vous conseille de faire ses carrières et tout ça, hein, parce que c'est, je trouve, le plus fun. Et ça rapporte quand même pas mal d'XP. Hein. 10 000 points, c'est pas mal. Donc c'est un mec, d'accord. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ah, hors de la carrière, bah j'ai bien fait de tout éliminer en fait. J'ai vraiment bien fait. Enfin, il reste deux, mais vous m'avez compris quoi. Vous m'avez compris les amis. Alors, est-ce que tu peux prendre ça? J'espère que tu peux le prendre. Non, tu peux pas le prendre. Ah, c'est bien, tu peux tomber. Oh, ça va, merci. Ah, merci, tu peux le faire. C'est bien, c'est cool. Je sais pas si je dois vraiment me soucier de lui en vrai. Je sais pas. Est-ce qu'il me suit vraiment? Tu me suis de là ou pas? Ah, ouais, tu me suis, c'est bien. Cool. Bon, ça va, ils sont pas totalement débiles les IA. Hein. Les IA dans AC Odyssey sont pas totalement débiles. C'est pas assez. Bon, vas-y, on va aller par là. De toute façon, on va pas aller là, hein, il y a plein de gens. Ah, on va éviter. Voilà, on est hors de la carrière, là. C'est bon? Yes. Ok, on va lui parler, les amis. C'est une très bonne chose. Ok, cool. Très bien. Merci, Mistios. J'espère que Phoenix t'a promis une belle somme. Tu lui en parleras pour moi. La situation est mauvaise à Baros. Plus que d'habitude. Tout y est étrange. Étrange. Dis-moi ce que tu as vu, tu n'as plus rien à craindre. Le 1. Qu'as-tu vu là-bas? Beaucoup de monde. Et il n'y avait pas que des gens de Paros. L'un d'eux portait un masque. Je n'avais jamais vu ça. Un masque? Oh! Un masque? Un homme du culte? C'est sûr! Il est temps de quitter cette île oubliée des dieux. Je sais comment on fait. Informe Phoenix de ce que tu as vu. Je le ferai dès mon retour. Ok, très bien les amis, très très bien. Dilemme de carrière. Yes, terminé. 13 000 XP, pas mal, pas mal du tout. Ah, le blocus de Paros, nouvelle quête les amis. Ah bah très bien, très très bien. Bah du coup on va pouvoir faire celle-là, hein, parce que l'autre on peut pas la faire. Est-ce que c'est loin? Normalement j'ai pris un téléporteur, si je me trompe pas. D'accord, donc Myrin c'est là. Voilà, les amis, vous inquiétez pas. C'est vrai que plus la dernière fois j'ai fait le point de synchronisation. Voilà, comme ça on est mieux, on est tranquille. Sachant que Naxos, on va y rester un moment, hein, je pense. Hein. On va y rester un moment. Donc c'est cool, on va pouvoir faire cette quête. Très très bonne initiative. Donc c'est cool. Et du coup, l'autre quête, malheureusement, on peut pas l'avancer. Enfin, je pense qu'on est en train de l'avancer indirectement. Hein. Et du coup, faut attendre. Mais peut-être qu'il va, je vais devoir faire du farm, mais c'est pas grave. Écoutez, c'est pas grave, en ce moment, j'en fais. Donc il n'y a pas de souci. Mais bon, tant qu'on peut faire une quête, pour l'instant, tout va bien. Bon bah du coup, finalement les amis, hormis si Montel va me dire qu'il est trop chaud, ou la carte mémoire, hein, il ne risque normalement de ne pas avoir d'ellipse dans cet épisode. Normalement. Allez, le chargement, s'il te plaît. Territoire Sparte était l'un des plus vastes. Ah oui, sa défense reposait sur les forces terrestres et l'entraînement militaire. Des fils de citoyens de 7 à 29 ans. D'accord. Sachant que c'est vrai qu'au-dessus de 29 ans, je crois que t'étais considéré comme vieux, il me semble. Je crois, hein. Peut-être que je dis des conneries. Si c'est le cas, les amis, désolé. Bon, parler à Myrin. Où est-ce qu'elle est, Myrin? Elle est... Ah, elle est là-bas, d'accord. Ah, si, il était là, le petit feuillage. Ok, je l'avais pas vu. Autant pour moi.
Ok, donc pour l'instant c'est affaibli dans l'île de Naxos. Très affaibli, donc c'est cool. Peut-être en fait il faut faire ça dans la quête. Il faut juste affaiblir l'île de Naxos. Peut-être. C'est une possibilité. Bien. Alors, Nirine, tu es en haut. Tu es en haut, ma chère mère. Hein. Alors, hop, me voilà. Je sais pas ce qu'elle va me dire. Nouvelle quête. Hein. On va voir. On va voir ce qu'elle va me dire. Tuer quelqu'un, faire un fort, je ne sais pas. Juste évite-moi de me dire va en mer quoi. Évite ça, s'il te plaît. C'est la mer. Non. Non, pas la mer. Pas la mer dans Assassin's Creed Odyssey, s'il vous plaît. Évitez-moi ça. Tu peux parler. Des navires de Paros en port. Maudit soit Silanos et cette saleté de culte. Quand cesseront-ils leurs ingérences? Oh. Dis-leur que j'arrive. Un blocus? J'ai refusé de verser un tribut à Athènes. Ah là là. Et Paros tire profit de la situation. On ne peut plus espérer frapper les premiers. Paros, il nous emmerde quand même pas mal, hein. Et d'ailleurs, on était sur son île. Je vais faire venir mon navire et nettoyer le port. Quoi? Seul face à tout un blocus? Ce sera facile, on n'a pas le choix. Ce sera facile. Tu verras. Je plains déjà les marins de Paros. Sois prudent. Et reviens-moi, mon enfant. Ouf, il y a que trois navires. Oh, bah ça va normalement. Normalement, c'est jouable, les amis. Même si j'ai pas fait beaucoup d'améliorations sur le bateau a quand même des dégâts. C'est ça qui est bien, ça qui est quand même un avantage avec Assassin's Creed Odyssey. C'est que malgré que j'ai pas fait beaucoup d'améliorations sur le bateau, c'est-à-dire très peu, voire une ou deux, j'en ai fait, le navire est quand même compétitif parce que il a le droit, il a la puissance que j'ai sur Terre. Il a mon niveau en fait, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas dégueu. Alors, est-ce que ici je peux appeler mon navire? Je crois que ouais, hein. Je suis sur un port. Ouais, si, je peux appeler mon navire. Nice. On va l'appeler. Et nous sommes partis. Bon, on va faire cette mission, les amis, et je pense qu'on s'arrêtera là. Ça me semble pas mal. En espérant ne pas galérer contre ces trois navires, parce qu'on a quand même un 3v1. J'espère qu'ils n'ont pas beaucoup de vie. Espérons, on peut y croire. Ok, bon, c'est les trois navires à tenir. On est parti. Ah, ils me prennent direct en cible. Archer en position. J'aurais voulu jouer l'effet de surprise, mais finalement c'est mort. À l'attaque. Maintenant. Ah, ah. Attention, comprenez-vous. Ah, ça attaque. Archer, soyez prêts à tirer. Wow, j'ai pris le crochet. Merde, peut-être falloir que j'améliore le navire. Ah là là. Tenez-vous prêt, tout le monde. Putain, le problème c'est qu'ils sont trois en fait. C'est ça qui est chiant. Ils sont trois, putain. D'ailleurs, est-ce que je me demande vraiment s'il y a un mec qui passe sur le 4 d'après. Oh, on va mourir les amis. Il faut qu'il y ait la coque. J'aimerais bien en prendre bien avec moi et là ça s'annonce compliqué là. J'ai pris beaucoup trop cher. Putain, ils veulent pas. Ils veulent pas un peu venir en 1v1 contre moi là. Et il faut que j'en prends un des fils, mais c'est pas facile. Il y en a un qui. Putain, chier. Je suis obligé de les attaquer tous les trois. Ah, t'as raté! On se merde! Ah putain! Il m'emmerde avec ses flèches! Ah, il va me foncer dessus! Putain! Putain, mais il est bon qu'il me foncer dessus! Je peux pas être sans me faire. Putain, il fallait que ça soit une quête de bateau quoi. Putain, ça m'énerve. Quête de bateau de ses morts. Bon bah les amis, on va faire une ellipse hein, et on se retrouve juste après finalement. Désolé, il y aura bel et bien une ellipse. Je m'attendais pas à une quête de bateau, donc à tout de suite les amis.
Et re tout le monde les amis, ça y est, j'ai réussi le niveau. Alors j'ai dû améliorer mon navire, pour le coup les amis. J'ai dû améliorer mon navire malheureusement, donc je l'ai amélioré. Bon, ça aura pas trop d'incidence sur autre chose, hein, mais voilà. Du coup j'ai amélioré mon navire, je vais vous faire voir. Parce que j'ai fait des améliorations plutôt sympas. D'abord la coque, j'ai amélioré de 3 niveaux la coque, donc pour le coup, hein, je voulais de l'endurance. Ensuite les flèches, j'ai amélioré de 2 niveaux. J'ai amélioré ça aussi, une fois, les amis. Et après j'ai changé les équipages, j'ai mis équipage de maquignon qu'on avait eu justement, donc voilà, ça reste mieux, rien qu'à dire. Ça reste mieux, et ensuite grâce à la coque j'ai pu mettre mes 4 personnages, donc du coup j'ai embauché Methodios, qui donne 6% de blindage. Finalement c'est pas dégueu 6% de blindage, hein, j'ai rien dit. Ouais c'est toujours ça de prix, on a qu'à dire. Bon les amis, let's go, on va parler à Myrin et c'est bon. Le port est libre, nous devons agir avant qu'ils envoient des renforts. Nous sommes presque prêts. Simo, on charge les navires. Ils seront prêts à ton signal. Alexios, un mot. Qu'est-ce qu'il y a ? Bien sûr. Je t'écoute, vas-y. Il faut agir contre le culte. Notre retour dans Laconia promet d'être dangereux. J'ai l'habitude. Et toi aussi. Je sais à qui faire confiance ici. Je croyais pouvoir en dire autant pour Sparte, mais cette nouvelle... Aspasia a découvert qui des deux rois était allié au culte. Mieux vaut supposer que les deux le sont. Nous devons chasser la corruption de Sparte, quel qu'en soit le prix. Je suis à tes côtés, il faut se concentrer sur Paros, je suis à tes côtés. Au moins, nous pouvons les affronter ensemble. Oui, pour tout ce que ces chiens ont tenté de nous prendre. Et ta sœur, nous la retrouverons. Reviens me voir quand tu seras prêt. Ok, d'accord. Prêt à prendre la mer. Je suis prêt ou alors non, je ne suis pas prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Alors tu as toute ma confiance. Avec ton bouclier. Ou sur lui. Et maintenant, nous pouvons aller frapper le culte. Bon. Le blocus de Paros qui est terminé. Cool. Donc ça c'est fait, 13 000 d'XP et... Ah putain, deux doigts. Ah, deux doigts du level 27 les amis. On y a tous cru. Quel dommage les amis. Front uni, nouvelle quête. Bon, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Ah putain, sans mer, c'est pas cool. Bon, bah les amis, on s'arrête ici. On se pense que vous aura plu cet épisode de Assassin's Creed Odyssey. J'espère que vous allez bien. Donc j'espère que vous avez aimé, pardon, n'importe quoi. J'espère que vous avez aimé cet épisode, hein. J'espère que ça vous aura plu, donc du coup on se retrouvera pour le prochain épisode. Donc n'hésite pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et tu peux aller visiter l'onglet communauté de ma chaîne, je poste par moment quelques fois des infos. Donc voilà, les amis, bye tout le monde. Yeah, why'd you put my